Ouais, bonsoir à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur Dishonored 1 et bienvenue pour la suite de la série. Alors qu'est-ce que je fais là? C'est très simple, j'ai noté quelques petites cellules intéressantes que je vais ouvrir. Voilà, c'est juste pour le loot. La A25, la A11. La A01 et la A14. Et on sera déjà pas mal. Je ferais mieux d'aller voir par là. Pourquoi? Toujours pour moi. Les autres. Personne ne fait drôle d'emploi. Ok, voilà. Très bien. Hop. J'avais tout noté. Parfait. On peut repartir. Voilà, donc on a... C'est juste pour vous contextualiser un petit peu ce looting que je me suis fait. Et que je suis permis de faire. Voilà, donc ici il n'y a rien normalement. Non, c'est juste une lampe violette. Rien de bien grave. Donc c'est dans le A de toute façon. Hein. C'est quasiment que dans le A. Hop, là, on va se soigner un petit coup. On va prendre ça et on va avancer. Et on va retourner vers là. Donc, allez la choupette. Choupette, très bien. Hop. Donc poudre amnestique. Ah oui, c'est vrai, c'était lui. Qui faisait des expériences sur cette poudre. Expérimentation éthique. Technologie carcérale moderne. Ok. Beaucoup de bouquins. Voilà. Bon. Ok, objectif, on se barre avec pendant cet épisode. Et on finit bel et bien cette prison de malheur. Hop là. On sauvegarde avec F5, c'est quand même beaucoup plus fluide pour vous. Et moi, ça m'assure un petit peu, hein, d'une certaine manière, la chose. Surtout que je rappelle que nous sommes... Oh, attendez, par contre. Alors, pouvoir, certes, mais surtout... Croque-mort, voilà. Toutes les cellules de la section B sont en quarantaine jusqu'à nouvel ordre. Les détenus de la section B seront examinés. M'assurer de pas tomber à côté, en fait, c'est surtout ça. Voilà. Pour déceler tout symptôme d'infection. Ok, on est là. Très bien. Prends son temps. Mais ça se fait. C'est très bien. Le dispositif d'interdiction radiale, groupe foudroyant, est réservé au personnel ayant suivi la formation réglementaire. Alors. C'est-à-dire que ça va se compliquer, mais non, puisque c'est fermé, c'est ouvert. La rune égarée est en dessous. Et là, il y a des choses. Oula. N'hésite pas à tuer les leurs. Votre poste le jour où Corvo Atano a disparu de cet établissement. Pour manquement à votre devoir et pour présomption raisonnable de complot et trahison, je vous condamne à la peine de mort. Ah, fait chier, hein. On joue. Soldat Maurice, vous avez refusé de poursuivre Corvo dans le réseau. Je vais te laisser la choupette. Le jour de son évasion. Preuve de lâcheté face à une crise nationale. En conséquence, je vous condamne à mort. Prêt. On joue. Feu. Oh, pitoyable. Officier de la garde Torp, vous avez fourni à Corvo Atano le moyen de s'échapper. Et vous avez confessé avoir reçu en échange de l'argent et du sérum contre la peste. Pour haute trahison, je vous condamne aujourd'hui à la peine de mort. Prêt ? On joue ? Ce sont les salauds. En repos. Le Lord Régent tenait à vous transmettre ses remerciements personnels pour cette exécution. Je peux passer par là. Je peux pas utiliser ma magie, c'est pas pratique, hein, qu'on soit clair.
Que l'on soit clair, c'est extrêmement peu pratique. Vous allez vous regarder comme ça jusqu'à l'infini ou pas? Histoire de savoir. Ah, déjà bien. Pourquoi personne ne fait de ronde dans ce coin? Parce que t'as exécuté à peu près tout le monde. Espèce d'imbécile. Non, je vais garder la seringue. Je vais aller voir par là. Compliqué. En fait, je peux pas utiliser de magie pour des raisons qui sont obscures. Pourquoi personne ne fait de ronde dans ce coin? Voilà. On va partir là-dessus, on va partir sur cette base-là. Voilà. Très bien. Hop là, les égouts Stundenwall, voilà. Petit texte, mais qu'on avait déjà lu, bah très bien. Écoute. On va dire non, hein. En fait, le problème, c'est qu'au moment où je la descends, elle, ça va être... Je risque de me... Je peux pas la remonter facilement, donc c'est pour ça que je préfère faire ça comme ça. C'est pour les faire chier. C'est en dessous, hein. Ah, ça va m'énerver, ça, allez. Entrée des égouts. La rune est garée. Lumière, attends. On va passer par là. Let's go. Allons-y doucement. Hein. De toute façon, hein, ça va être compliqué d'aller plus vite. Qu'à la magie de la... Il y a leur magie de mort. C'est ce templi depuis tout à l'heure qui me fait suer. Attends. Reste la choupette. Ok. Quoi? Bonne nuit. Voilà. Très bien. On peut y aller comme ça. Moi, ça me va, somme toute. Pas trop me plaindre. Il y a une rune égarée juste là. Ça me convient. Il y a un cadavre. Voilà, je remercie pour cette rune, très gentil. Alors. Choupette, je vais te laisser là. Pas obligé de bourrer autant. Parce que de ce que j'ai dans mes souvenirs, il me manque quelque chose. Ok. Il doit me manquer... Un charme d'os qui doit être présent dans la base. Très bien. On va y aller rapidement. Le temps qu'on puisse localiser juste après. Parce que de l'extérieur, je peux pas le faire. Ah, c'est vraiment ça. C'est à l'extérieur, je n'ai pas le droit d'utiliser la magie. C'est pour ça que je l'entendais si bien. Parce qu'il était en dessous. Charme d'os trouvé 2 sur 2. Bah, je crois qu'on était bon. Ils ont trouvé un cadavre. On s'en fout, somme toute. Je crois que j'avais vu un truc luminescent. Je veux juste vérifier un truc, c'est qu'on n'ait rien oublié. Donc on va juste pointer son nez ici.
Non, rien de spécial, rien de particulier, hein, somme toute, après le reste, c'est très très anecdotique. Très bien. Parfait. On se barre. On se barre, on se barre. Allons-y. Hop là. Parfait. De toute façon, j'ai envie de te dire, on a réduit nos dégâts, mais en même temps, j'ai envie de... Enfin, notre... On est plus fragile qu'avant, mais on était déjà hyper fragile, donc en vrai, c'est pas un souci. Ça rajoute un peu de défi, hein, somme toute, aux affrontements. Ce sera pas mal. Ok, donc on peut se barrer. Allons-y. Viens la choupette. Allez. Let's go. On y va. Elle est seulement inconsciente. Occupez-vous de ses blessures. Parfait. Comptez sur nous. La voie est libre. Vous êtes prêts ? Allons-y. Eh bien voilà, parfait. On a tout trouvé, parfait. Chaos faible, aucune victime jamais détectée. J'ai pas envie de passer 40 minutes à faire un épisode qui en durait 10. Donc on s'en fout de ça à peu près. Don voilà. Wall change à vue d'œil. Il y a 6 mois, Draper Sword était, pour les riches et les nantis, l'endroit à Don Wall où il fallait se montrer. La peste l'a consumé. Maintenant, c'est un champ de bataille où 2 gangs s'affrontent pour piocher les restes. Les Chapeliers et le gang de Lizzie, les Anguilles Mortes. Lizzie Stride menait le gang, jusqu'à ce qu'Edgar Wakefield la trahisse et prenne sa place, ainsi que son bateau. C'est le genre de choses qui arrivent tous les jours à Don Wall. Je ne le juge pas. Moi, j'ai fait bien pire. Mais je veux ce bateau. Edgar Wakefield et moi, on va causer. Oh, la négociation va vite tourner au clair, je pense. Ok, donc nouvelle amélioration, parfait. Poudre confusion, voyons voir. Modifier la composition chimique, la poudre est incapacitante pour provoquer une confusion temporaire chez la victime. Cette dernière reprend une activité normale sans douter de rien après avoir inhalé la poudre. Oh, ça peut être très bien, ça peut être très très bien. Notamment, on va prendre le charme d'os aussi, hein, voilà. Et merde, faut que je pense aux faveurs. Casse engloutie. Ok, bah, je peux prendre les deux. Je vais pas me plaindre, voilà. J'ai plus de pognon, c'était pas grave. Commençons la mission. Ça peut être très très bien, notamment si jamais les gens te repèrent, je pense. Rappeur. L'usine tirait son énergie d'une roue hydraulique avant que le canal s'assèche. Elle a redémarré il y a peu. Mais la méthode employée par les chapeliers a enragé les anguilles. Ils s'affrontent dans les rues. Oui, bon, ils peuvent s'affronter, hein. Ça ne me concerne pas, somme toute. Draper Sword est à nous. On était là avant. Ramenez-nous, le vieux. Ça fait 8 ans qu'on est là. On bougera pas. À quel moment il vient se battre, le vieux? On a préparé quelque chose. Pour vous, petites anguilles. C'est quoi le problème? Vous préférez le tricot? Retournez sur le fleuve. Vous n'êtes pas un vrai gang. C'est chez nous. Juste une bande de charognards. Vous êtes prévenus. Venez vous battre. Allez. Trop occupé à vous faire. On fait les paris. Vous attendez. Venez là. Voyons ce que t'as à l'intérieur. Allez. Ok, ça balance du poison du côté. Oh, ça one shot des deux côtés. Ça a été ralenti. Attention, le coup qui a été paré. Attention le. Bon, bah très bien. Ils ont absolument tout démonté. Très bien. Donc. Les anguilles mortes, une plus grosse menace que les autres. Somme toute, pourquoi pas. Où sont les... Il y a un charme d'os juste là-bas. Très bien. Et sinon, bah c'est tout. Rune égarée là-bas. Et une rune là. On va avancer, on va voir. On va voir ce qu'ils nous proposent. Somme toute, je vais pas me plaindre, hein. Hop là, charme corrompu, trouver 1 sur 3. Cuirassé, réduit les avantages. Ouais, bon, c'est l'inverse de celui que j'ai. J'ai pas regardé. Oh, ça fait bzit bzit. On dirait que les. La permission de votre mère. Oula. Vous obéissez tous à Trimble maintenant, c'est bien ça? Bon. Soit, 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 soit. Monde là. Et le charme d'os. Enfin, la rune est là.
Et je vois rien d'autre. Enfin, hormis cette rune là aussi. Ok, donc il doit y avoir une deuxième zone. Ok. Ok. Ok, on re-sauvegarde, attention. Annulation. Je peux pas sauter assez loin, je pense. Non. Dommage. Non, je peux pas ici, malheureusement. Très bien. Bon. Soit. Ah, je peux passer par là. Il y a un ennemi là. Ici, ça a l'air safe. Tout un magasin ici, soit, pourquoi pas, je vais pas me plaindre. Il y a un document ici, on peut le lire. Avis de cessation d'activité, cher fidèle client. Ouais, bon bah c'est normal hein. La porte vient de se fermer juste en face. Il y a du monde en face. Rune égarée à 50 mètres, on peut aller la chercher somme toute. Ça peut être pas trop mal. Je sais pas du tout on est à combien de temps dans le jeu, dans l'épisode. Donc on va le prolonger un peu, on va essayer d'explorer un petit peu. Peut-être pas jusqu'au quai, mais on va s'en rapprocher. Des perles de raclure d'eau, une rune, et mise en garde d'un allié anonyme, blablabla. Je vous préviens, la malchance s'est acharnée sur moi dès l'instant où j'ai posé la main dessus. Je suis ravi de ne plus jamais la revoir, j'espère qu'elle sera plus utile que moi. Très bien, c'est gentil à toi. Des chapeliers ici. Très bien, qu'est-ce que c'est que ça? Des fleurs de bouc... De Bojoncus. Très bien. Des barbelés. Je peux pas prendre plus de poudre incapacitante que ça. Bon, c'est pas grave. Je vais pas me plaindre. Donc. Continuons, continuons. Hop, la musique excuse. C'est tellement plus instinctif. Donc, ici, il y a l'air d'avoir du loot. Oh merde. Tu n'as pas l'air d'être un chapelier. Mais t'es possiblement une menace, donc on va venir de dos. Ah. Bonjour. Bienvenue au grand bazar de Draper's Ward. Ou au marché noir, si vous préférez. Vous êtes Daud, hein? Je vous ai reconnu d'après les affiches. Mais je dirai rien à qui que ce soit, croyez-moi. Je Gentil. Serai content de vous compter parmi mes clients. Qu'est-ce que vous vendez? Le meilleur de Draper's Ward. Tout est à vendre. Un charme d'os. On prend. Un charme d'os sur 5, putain. C'est... Il y en a beaucoup, hein. Attends, par contre, t'avais une clé, toi, hein. Ouais, t'as une clé. Choupé une clé. Tous ces rats grouillant de partout. Qu'un amateur. Ça se bastonne, hein. Ça règle les choses. Ouais, bon, il y a des morts, quoi. Hein. Oh. Oh my. Je dois garder les yeux ouverts. Ce bruit n'est absolument rien de... de précis, ni de... ni de... Tous ces rats grouillant de partout. Aucun vol, bien évidemment. Bon bah, bonne journée hein. En aucun cas, il n'y a eu du vol ici. Les affaires vont mal. Je sais qu'on n'a pas toujours le choix, mais... Wakefield... Lizzie ne rompait jamais un accord. Elle n'avait qu'une parole. Exactement. Après hier soir, je vois pas qui pourrait nous faire confiance. Les deux se promènent beaucoup, hein, ça va être compliqué. Je suis pas convaincu d'avoir l'intérêt, puisque là, de ce que je vois, c'est une boîte, une grenade.
munitions et ça je crois que c'est du soin. Donc gaspiller du matériel pour eux, ça a pas l'air plus bénéfique que ça. Voilà. Atelier de couture. Encore un mec gentil ? À la rune, je dis pas non. Toi ? Qui êtes-vous ? Vous êtes avec elle. Avec elle ? Delilah, vous êtes avec elle ? Non, mais vous n'avez pas de rose. Que pouvez-vous me dire sur Delilah ? Je confectionnais des vêtements pour les Caldwin, vous savez. Je les adorais, surtout la petite, la précoce Emily. C'est dégueulasse. Une enfant adorable. Vous avez connu l'impératrice. Elle était spéciale. Et j'étais fier de la compter parmi mes amis. J'avais une mèche de cheveux de la jeune Émilie. Un cadeau reçu de la famille, le jour où mes mains sont devenues trop vieilles pour tenir une aiguille. C'était mon plus grand trésor. Et Delilah ? Elle est venue me voir. J'ai été surpris de la revoir, si adulte. Si sérieuse. Vous saviez que c'était une amie d'enfance de Jessamine, avant d'être impératrice quand elles étaient petites. J'ai cru à une visite de courtoisie, mais elle a tourné au cauchemar. Que s'est-il passé ? Elle a fait sortir des choses de l'ombre, longues et avides. Je sens encore le froid sur mon cou. J'ai l'air fou, n'est-ce pas ? Non. Je le suis peut-être. Elle m'a interrogé avant de m'attacher dans un coin comme un tas de chiffons. Je suis resté comme ça pendant 3 nuits, alors qu'elle traçait les terribles symboles que vous voyez. Puis, elle a volé mon seul trésor. La mèche de cheveux de ma tendre petite Émilie. Oh, Émilie, où es-tu ? Maudit soit Corvo. Et maudite Delilah. On ne ressassera pas plus le passé que ça. De la bouffe, je vais pas te la piquer, ça n'a aucun intérêt. Tous ces rats grouillantes partout. Un message de Lady Boyle, très cher ami, mon prochain bal costumé, j'aurai besoin de 3 tenues d'une sur mesure identique, mais dans des couleurs différentes. Nous allons l'ouvrir. Waverly Boy. J'ai tout pris ici. J'ai l'impression. Eh bien, vous savez quoi? On part sur les quais. Allons-y. Et on va arrêter là l'épisode. De ce que je vois, les quais de Draper Ward. Et bien sûr, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, on approche et on continue la suite des enquêtes de Dode. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, zouf.